Laurent Mvula, nouvelle sensation britannique. I will never be what you want, and that's alright. Cause my skin ain't light, and my body ain't tight, and that's alright. But if I might, I'ma stand and fight. Sans doute ne connaissez-vous pas encore Laurent Mvula, jeune interprète de soul britannique originaire de la ville de Birmingham. Son premier album a tout simplement fait sensation et depuis, toute la critique salue son immense talent. La jeune artiste a plusieurs fois déclaré que ses influences incluaient Jill Scott, Erykah Badu, Lauryn Hill, Nina Simone et Björk, pour ne citer que celle-là. Consacrée par la BBC, Laurent Mvula est considérée comme la créatrice d'un nouveau genre musical baptisé Gospel Delia. Un mélange de soul, jazz et de musique classique orchestrale. Son premier single a dès sa sortie occupé les toutes premières places des charts britanniques et ouvert des portes dans beaucoup de pays européens. Laurent Mvula a du talent à en revendre. Assurément, c'est une artiste à suivre. Always taking 10 steps back and one step forward. She's tired, but she don't stop. TLC, retour du groupe soul mythique. A scrub is a guy that thinks he's fine, is also known as a buster. Always thinking about what he wants and just sits on his broke ass. So no, I don't want your number. No, I don't wanna give you mine. And no, I don't wanna meet you nowhere. No, I wanna nail. Après plusieurs tentatives de comeback, TLC est définitivement de retour. Le groupe n'avait plus rien enregistré depuis 2002, année de la mort brutale de Lisa Left Eye Lopez dans un accident de voiture. Les fans de TLC peuvent donc se réjouir, cette fois c'est la bonne. Le nouvel album est annoncé pour l'année prochaine. Il s'agira d'un album mixte, à la fois une compilation de leurs plus grands tubes, Creep, Waterfalls et bien sûr No Scrubs, mais aussi des inédits que le public attend avec impatience. Et pour ce grand comeback, T-Boz et Chilli ont su s'entourer des plus grands, à commencer par Lady Gaga qui leur a composé un titre. Here went to them, they turned away. He just wanted something to wait. A place to love, a place to pray. Spike Lee, le cinéaste rebelle, réalise un thriller. Après le documentaire Bad 25 qui rendait hommage à l'album Bad de Michael Jackson, le réalisateur Spike Lee revient derrière la caméra et signe son premier thriller baptisé Old Boy. Ce remake du film coréen de Park Chan-wook, qui fut primé au Festival de Cannes en 2004, raconte l'histoire du publicitaire Joe Doucette, qui se retrouve séquestré dans une cellule aux apparences d'une chambre d'hôtel durant 20 ans sans la moindre explication. Il décide de poursuivre ensuite son geôlier après sa libération. Ce film marque un tournant dans la carrière de Spike Lee, qui investit un genre qui n'est pas son registre habituel, le cinéma engagé.
a noté la présence de Samuel Lee Jackson dans ce film qu'il n'avait plus tourné avec Spike Lee depuis Jungle Fever il y a 23 ans. Mais qui jamais. Votre père a disparu depuis 20 ans. Si j'avais le pouvoir de le faire venir, vous pourriez lui pardonner? Je pourrais essayer. Je veux pas que tu t'en ailles. J'ai pas le choix. Qui que vous soyez, je vous trouverai. Zulu, Forest Whitaker, plus africain que jamais. L'État nous avait donné carte blanche. Nous étions environ 200 scientifiques et notre mission était de mettre au point une bombe ethnique. Une molécule capable de décimer la population noire. Combien de noirs il a tué? On a été trop gentils avec ces fils de pute, non? Mais qu'est-ce que tu aurais préféré? Des représailles? Pas des représailles. La justice. Ces gosses qui disparaissent du côté de Kalilitsa. Le rapport médical indique qu'on a relevé des traces d'éphédrine et d'ammoniac dans le sang de la victime. On cherche un type, un dénommé Stan. Trafic de stupéfiants, cambriolage avec violence. On doit lui parler. Vas-y, occupe-toi de lui. Bouge pas! On est des policiers. Présenté en clôture du Festival de Cannes en mai dernier, Zulu refait enfin parler de lui au travers de sa bande-annonce. Forest Whitaker, il tient le premier rôle. Après des extraits mettant en avant l'action, on découvre enfin les enjeux du film adapté du polar de Caryl Ferré. Une drogue fait des ravages en Afrique du Sud et deux policiers chargés d'enquêter sur un meurtre particulièrement sanglant vont rapidement découvrir que le crime est lié à cette substance. Pire, ce produit qui a tué des milliers de personnes aurait été créé en pleine apartheid comme bombe ethnique visant particulièrement les Noirs du pays. Une découverte qui révolte les deux hommes qui ne sont pas au bout de leur surprise. Forest Whitaker, amaigri, plonge peu à peu en plein cauchemar aux côtés d'Orlando Bloom qui incarne son jeune coéquipier. C'est Jérôme Salle, le réalisateur des Largo Winch, qui s'est chargé de la mise en scène du film, à découvrir. Il m'a traité moi d'épave. Et qu'est-ce que tu lui as dit? J'ai menti. Je lui ai dit que t'étais pas totalement une merde. Kruger a raison. Je suis qu'une épave. Ça lui va bien de dire ça, Kruger. Tu vas pas recommencer, Claire. Est-ce que je dois te rappeler l'unité C10? Il en faisait pas partie pendant l'apartheid? C'est Kruger qui m'a fait nommer capitaine. C'est super. Mais combien de Noirs il a tué et torturé à Vlad Place? Me dis pas qu'il faisait pas partie de ces salauds. On a décidé qu'on serait capable de vivre tous ensemble. Le passé, c'est le passé. Donc, est-ce qu'on peut jouer aux cartes? Kruger a été amnistié, pardonné. Bien sûr qu'on l'a amnistié. Kruger et tous ses assassins et tous ses voleurs, c'est trop facile. On passe devant une commission de fantoches, on avoue tous les crimes qu'on a commis et boum, tout est pardonné, en un clin d'œil, une absolution instantanée, c'est tout bonnement assuré. Là, tu exagères un peu, tu crois pas?